J'ai 100 kilos de colis perdus ici dans mon studio. Et on va les ouvrir ensemble. J'ai trop hâte, j'adore ouvrir des colis. Ça fait un peu les anniversaires, Noël et tout. Mais là, on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Pour rappel, les colis perdus, c'est par exemple si vous achetez un truc ou vous envoyez quelque chose, si jamais ça arrive jamais ou ça s'est perdu en chemin ou l'adresse était la mauvaise ou quoi, il est stock de côté et un an après, bah, il est revendu. Des fois, il y a les noms et prénoms et numéros de téléphone qui sont sur les colis. Bon, on va les appeler. T'en penses quoi, Pio? On leur dit, les gars, il y a un an, t'as perdu ton colis, tu le reveux? Et on va lui livrer. Ça, c'est cool. C'est ça le petit plus dans cette vidéo. Bon, allez, c'est parti, on y va. On commence avec un petit. Allez, celui-là, par exemple. Là, vous voyez, souvent, à chaque fois, ils mettent de la peinture pour enlever l'adresse et tout ça. Les gars, j'en ai eu pour 500 euros en tout. Et c'est pas cher parce que l'entreprise qui me les a vendus m'a offert la moitié. Si toi aussi tu veux des colis perdus, va dans la description, il y a leur site, il y a tout. Merci à eux, les gars. Bon, à ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ça commence très mal. Regarde, c'est des boucles d'oreilles. D'ailleurs, l'entreprise qui nous a offert la moitié m'a dit, la semaine dernière, on a trouvé des Jordan 1. Et j'ai vu qu'il y a peut-être des chaussures parmi là. Parmi là, ça se dit pas parmi là. Il y a peut-être des chaussures ici. On ouvre un peu plus gros, celui-là. Je sais pas c'est quoi celui-là. Ça, ça vient de Germanie. Ah oui, j'ai oublié de préciser les gars. Tout ça, c'est du monde entier. C'est pas seulement en France. Donc il peut avoir des petites pépites. Non mais non. Tu connais pas ça? Non. Bah au moins ça fera un euro ici. C'est super nul, franchement. Ok, bon on va le brancher, on va voir s'il marche. Ça sera à gagner sur mon compte Insta ça. Ok, allez, on prend un plus gros. Ça, ça m'intrigue ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis les gars? Non mais non mais c'est trop. Moi j'étais content d'ouvrir des colis mais... Vas-y teste hein. Mais c'est pas des robes. Ça je vais l'ouvrir pour voir. Ah mais si c'est des robes pour bébé. Allez tester. Non je vais pas tester ça quand même. Ah oui. Incroyable. Ouais hey, les gars j'ai reçu une dinguerie de ouf. Quoi? Il y en a 4 comme ça. Non, on les met tous. J'arrive plus à l'enlever. Voilà Moumou. Ouais. Coucou à sa maman qui va voir la vidéo. Son bon allez c'est bon, j'ai terminé les conneries maintenant. Bon, c'était drôle. Mais en fait, j'arrête pas de me dire, ok, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a acheté ça qui est pas créateur de contenu. Pour l'instant, il est dégoûté. Non, 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 non. Il y a une boîte à chaussures. Ça, on le garde après. Ça, vas-y. Elles sont trop bien. Je suis vraiment content, premier degré. Des claquettes. J'en avais pas au studio. Je suis vraiment content. Regardez les gars. En fait, ça va un peu... Enfin, j'ai cru que c'était les petits aliens dans Toy Story. Bon, on continue. On passe à quoi? Pio, vas-y, choisis. Dis-moi en hasard. Lui là. Ça, c'est pas des chaussures, ça. Non! Ça, je montrais à la caméra avant. Ah oui, de là? Oh, attends! C'est du 38. C'est des mauves en plus! Alors, les gars, vraiment, si c'est des vrais. Regarde comment elles sont belles. C'est vrai, Toto! Je sais pas si c'est des vrais, Pio. Mec, gars, je sais pas si c'est des vrais, mec, j'ai des Jordan. Non! Ça, c'est vrai! Wesh! Attends. Je sais pas si c'est des vrais, mec. Mais elles ont l'air vraies, frère. Wesh! Mais après, je doute un peu que ce soit des vrais, quoi. Mais franchement, super propre. Hein. Dites en commentaire, les fans de sneakers, là. Je vous fais quelques plans et dites-moi. Si vous pensez que c'est des vrais. Écoutez, dans tous les cas, vrai ou pas, c'est stylé. Dans les commentaires, dites-nous justement, ceux qui s'y connaissent, si c'est des vrais ou pas. Bon, là, je pense qu'on va redescendre là. Là, on va être en mode, on a eu que des gros trucs. Allez, ça. Ça a l'air d'être à chier. L'entreprise est bien. Allez. Deux. Et en vrai, c'est pas mal. Ah oui. Pas mal du tout, j'aime bien. Ah oui, il a l'air pas mal, lui. Je viens de comprendre c'était quoi. C'est un truc pour avoir des gros seins. Une crème que tu te la mets. Après tu mets ça. Et before after, regardez. Bon bah, objet suivant. Ok. Oh j'ai failli lui couper la gueule au truc. Ah c'est un portefeuille. Bon bah ça écoutez, je garde hein. Dans cette vidéo je pense que ma meuf va être contente. Mais je vais quand même vous en garder pour vous. Pour petit concours Insta, vous faire gagner des trucs. Pour l'instant j'ai dépensé 500 balles et tout ce que j'ai c'est ça. Tout ce que vraiment que je suis content de l'avoir. C'est un bracelet les gars pour les Apple Watch. Sauf que pour ça il faut une Apple Watch. Ouais. Stylé, mais bon, ça sert un peu à rien quoi. Allez, celui-là. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, petit jeu aussi chez vous, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dirais un gadget électronique. Oh non, c'est horrible! Oh non! Il est horrible! Ah non, j'ai pas envie de l'ouvrir, ça me fait mal au cœur. Oh non, il est horrible! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est horrible, je crois que c'est un truc personnalisé pour un père. Oh non, il y a des photos! Non. Si, oh non c'est horrible, non on peut pas, on va les flouter les gars. Putain c'est pas arrivé, attends. Le meilleur papa de la galaxie. Ah c'est trop mignon. Bon les gars je vous le montre mais ça sera flouté hein. Oh non ça c'est vraiment le pire truc, c'est glauque de fou. On va essayer de trouver le numéro les gars. Putain il y a le numéro, il y a le début, il y a le plus 33. On voit pas, c'est mort. Bah je suis désolé Chloé, j'espère qu'il l'a reçu à temps quand même. Parce que c'est horrible, tu m'as dit c'était pour la fête des pères. Ça je sais même pas ce que j'en faire parce que c'est horrible de le jeter. Mais les gars, si vous connaissez, bah non mais c'est impossible. Si Chloé passe par là, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je te l'enverrai avec grand plaisir. Allez celui-là. J'ai envie de tester un gros. Non, celui-là, les gars, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien et j'ai envie de le tester à la fin. Celui-là, les gars, on le garde pour après. Ah, non, mais là, je suis. C'est des bottes. 42. Oh, c'est ma taille. T'aimes bien, toi?
Ah ouais? Eh bah tiens, vas-y Pio, vas-y, ça y est. Tu les aimes bien? Non. Bon bah, vous aurez l'odeur de Pio. Les gars, si vous aimez ces bottes, dites-les moi dans les commentaires YouTube, vraiment. Je vous les enverrai. Ok, allez, celui-là. Ça a l'air d'être des vêtements, ça. Ah non, c'est quoi? Ah, oh, c'est des robes, je vais en mettre une avant que Pio arrive. Je suis sexy comme ça ou pas? T'aimes bien? Je suis sexy. Objet suivant. Là, j'ai un peu la flemme d'ouvrir les petits, là, on verra après les... Deux paquets de LED, les gars. Eh, ça, c'est pas mal. Ok, il m'en manquait une pour mettre là. Waouh! Mais ouais, c'est incroyable! Mais dis donc! Mais ça, par contre, je suis vraiment content. Des trucs comme ça où je peux me servir dans mon studio, elles sont super ces petites LED. Après, les gars, on verra ce que je vous fais gagner. Parce que le but, c'est quand même de vous régaler. Donc si je vois qu'il y a que de la merde, bah je vous laisserai quand même des trucs que j'avais envie de garder. Voilà. Mais c'est pour vous, c'est gentil. Ah, lui, il nous vient de. Ah! Italie. Non, de France. Et en plus, il y a le numéro de téléphone. Donc celui-là, les gars, on va l'ouvrir soigneusement. Oh non, je sais c'est quoi! Ça, c'est la pire des merdes au monde. Les gars, j'ai été coach sportif, donc je sais ce que je vous dis. En fait, il y a des connards qui vendent sur internet des trucs en disant: mettez ça, vous allez perdre du poids parce qu'à l'intérieur vous transpirez. Et les gars, ça pue la mort sans ça. N'achetez pas ça. C'est pas en transpirant que vous allez perdre du poids. Putain, hein, c'est quoi? C'est horrible, la peau, elle voulait perdre du poids. Et en plus, c'est quoi le N-Pai? Ça veut dire quoi ça? On l'appelle, on lui demande. C'est bizarre ce que je fais, les gars là. Vous êtes sur la messagerie orange de... C'était bien elle, Myriam. Elle avait pas l'air toute jeune, la pauvre putain. Mais tant mieux qu'elle l'ait pas reçu, c'est de la grosse merde ça. Ça, même pas on le garde, on en fait une poubelle ça. Amazon, les gars. Oh putain. On est marre des tenues de femme. De femme, là, j'ai dit femme. Bon, bah, ça, les gars, je sais, bon, j'en ai essayé plein des trucs de danse, on va pas en essayer encore. Allez, c'est parti. Ça, c'est quoi ça? Lego ou puzzle? Ah, pas mal, je vois, c'est quoi? C'est trop bien, magnète. Oh, mais ils sont énormes! Oh, c'est stylé! C'est les magnètes, mais quand on jouait quand on était petit, mais je crois qu'ils ont interdit la fabrication parce que c'était trop petit, c'était trop dangereux. Oh non, c'est génial! Les gars, dans les commentaires, qui jouait à ça quand on était petit? C'est bien, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, ça a gagné sur Insta, ça, c'est sûr. Allez, celui-là. Ah, oh! Oh! Il est super beau. Waouh, incroyable! Il est beau ce petit cargo, wesh. Il est pile à ma taille, il est très confortable. Par contre, je l'enlève parce que j'ai peur que ce soit dégueulasse. Bon, j'ai eu les claquettes, j'ai eu le cargo, il manque plus que le t-shirt. J'ai eu les chaussures aussi. Ah! Ça se voit, c'est des claquettes, les gars. Oh, stylé! J'avais les mêmes à la maison! Oui! Mais elles étaient cassées! C'est exactement les mêmes, c'est du combien? 40-41. Hein? Bon, ça, les gars, je vous les fais gagner sur mon Insta parce que je les avais déjà et j'ai déjà des claquettes. Donc, ça, let's go, les gars. Ok, ça, c'est quoi? Je crois que c'est un truc de déco. Allô? Oui. Ah oui, j'ai oublié de leur dire. Oui, très important, je leur dis tout de suite. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, merci, c'est très important. Il m'a dit ça au téléphone. Ok, ça marche. Allez, à plus. Ok. Ah, chaussures. Chaussures, ça? Ah oui. Ça pue la mort, les gars. Voilà, ma mère qui va être contente. Cette vidéo, je regarde tout le monde sauf moi. Des maillots de bain, une pièce pour femme. Pour ma mère, encore une fois. Pour ma meuf, je tu sais quoi? Je vais arriver vendredi, je vais lui dire tiens, j'ai été acheter ça pour toi et tout, j'ai pensé à toi. Ah, oh non, collier prénom. Ok, tout de suite dans les commentaires, devinez le prénom. Moi, je pense que le prénom dessus, quoi qu'il arrive, c'est Océane. C'est glauque. Il y a une photo d'une dame dessus, mais une dame très âgée. Je te montre. On floute, hein. Ah, c'est stylé, ouais, les gars. Ah oui, en gros, c'est un petit truc, regardez comme ça, là. Et là, tu mets ton œil à l'intérieur et tu vois la photo. Ouais, bon, ça, on va l'arranger. On va pas le mettre à la poubelle, mais ça, c'est horrible parce que on peut pas le mettre à la poubelle parce qu'il y a une image, il y a quelqu'un et tout. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de garder ça, quoi. Bon, on va le mettre de côté, hein. Ça m'a fait stresser, j'ai mal au ventre. Ok, tiens, allez. Microsoft. Je pense que c'est léger, hein. Écoutez, je pense que c'est soit un petit casque, moi, je pense que c'est sûr que c'est une souris. C'est la plus grosse douille de ma vie. Dans ma tête, il y avait un scénario genre, c'est un téléphone. Je vous aurais fait gagner un putain de téléphone. Et à la place de ça, je vais vous faire gagner des putains de. C'est les mêmes. C'est les mêmes. J'ai. Franchement, ça fout la haine. Ça, c'est pas cool. Attention. En France. Oh! Oh putain! C'est un Bob Jackmus. Ça vaut 80 euros le Bob. Ça veut dire qu'il y a un truc potentiellement qui coûte cher. Le mec est riche. Le mec a commandé est riche. Ça vaut 80 euros ça. C'est un vrai? Putain, c'est un vrai! Les gars, je sais pas si je vais vous l'offrir. Je suis désolé, mais là, je l'aime trop. Il est trop beau. Ah ouais, ouais, chaud! J'allais oublier celui-là! Non! Belle sage! Je crois que c'est des vrais, ça. Merci. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Dis devant la caméra. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon, c'est incroyable, non, non. Ah, bien, bien. Ah oui, il est pour toi, incroyable. Tenez, les gars, regardez. Dans l'intérieur, au cas où, dites-moi encore une fois dans les commentaires, les gars. Je recommande pas de porter du faux, mais on sait pas. Je m'y connais pas, les gars, j'achète jamais des trucs comme ça. Allez, c'est cadeau, allez, prends-les, t'es obligé. Vas-y, vas-y, mets-les, maman, mets-les. Ouah, le beau gosse. Ça vient d'où, ça? Ça vient de France. Oh, c'est hier, il va péter un plomb. Oh, ça, c'est stylé, les gars, ça. Les gars, il y en aura un que je vais mettre en concours. Je vais aller offrir celui-là à Seyar. Et les autres, je vais vous les offrir sur Insta, les off.
Ah mais hé, j'avais pas de ceinture au milieu dans ma voiture. Les gars, dans mon Audi là, vous avez vu la nouvelle Audi que j'ai là? Bah au milieu en fait, il y a pas de ceinture. Bah attends, bientôt les gars, on va faire une vidéo où je construis un parc d'attraction. Et bah ça, on va servir comme ceinture. C'est pour ça les gars, abonnez-vous à la chaîne hein, parce que bientôt je dis ça, je dis rien, mais semaine prochaine, il y a nous aussi qui vient ici. On va faire une attraction dans le 113 qui va aller dehors et tout. Et la ceinture, ça va être ça les gars. On va tout faire, je vous promets. J'ai envie d'avoir une ceinture comme ça. Oh putain, ça rêve, vous la sac à main noir. Je vous jure que ma meuf, il y a pas longtemps, elle me dit je veux un sac à main noir. Ah celui-là, il est pas mal celui-là. Petit sac à main marron, franchement une piscine pour bébé. Les gars, je vous la fais gagner, je vous jure, c'est vrai. Entre nous, qui commande ça? Et bon, les gars, il paraît que ma soeur a peur de ça. On va l'appeler, on va voir. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce truc là? Arrête, on fait où? Pourquoi t'as peur de ça? En Italie, il y en a plein partout. Arrête, Anthony. Mais où t'as eu ça? J'ai acheté des colis, là, c'est pour ça. Elle a rien compris. Pouh, mais comment elle peut avoir peur de ça? C'est tout mignon. Oh, c'est génial! Pour moi, c'est pour nettoyer les trucs. Ouais, ouais. Et en plus, tu peux même mettre tes lentilles. Et c'est trop bien, en fait, t'as un truc, tu mets de l'eau, et ça vibre, et ça nettoie les trucs, c'est ça? Oui. Oh, c'est stylé, l'intérieur. Oui. Genre ça, ça nettoie bien, ça. Bon, les gars, Pio, il s'est foutu de ma gueule, hein. Il me dit qui c'est, mais en fait, il savait pas. Allez, ça, ça a l'air stylé, ça. Oh putain, je sais quoi. C'est un fer à lisser. Putain, j'en ai marre, je fais que régaler ma meuf dans la vidéo, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est un message, genre j'offre pas assez de cadeaux à ma copine, c'est ça? Oh non! J'en peux plus de ces chaussures! Ça fait 20 points, on les a! Putain, ça, comme par hasard, à la taille de ma meuf encore, non mais franchement. Oh pardon! Mais bon! Ah, des lunettes de soleil. Ça, les gars, je les offre sur Insta aussi. Oh non! Je vais les avoir en triple! Je vais me faire un marché en fait au 113. Les gars, tous les vêtements, je vais les prendre et j'irai les mettre. Vous savez, dans la benne que vous voyez dans les rues là, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Tu mets dans une benne dehors, en France, c'est comme ça, tu mets dans une benne à l'intérieur et après, hop, bah, y a une entreprise qui vient les récupérer, il les donne aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, je vais faire ça avec les vêtements parce que, franchement, c'est dommage, je vais pas acheter ça. Ça me rappelle mon enfance, MP3. Avec les faux écouteurs Apple, j'adore. Putain, mais les gars, ça, avant, j'aurais donné beaucoup pour avoir un truc comme ça. C'est génial. Les gars, on a fait une petite pause. Les caméras ont surchauffé. C'est très long ce tournage, les gars. En fait, je me suis dit, il n'y en aura pas assez, il faut que je prenne beaucoup. À votre avis, c'est quoi? Attention! Ah, c'est une lumière. Je sais pas c'est quoi cette merde. Oh, je crois que c'est un mini ventilo. Les gars, c'est un stylet ça. Non, c'est pas la barbe. Ah, c'est un rasoir. N'importe quoi, c'est pas un rasoir. Ça sert à quoi ça? Si, c'est pour les cheveux ça. Ah, ça fait les boules. Mais les boules. Mais non. Bah oui. Mini shaver. Mais si, c'est ça. Ouais, bon, hein. C'est stylé. Hé, hey, artiste pour tes clients. Pour la petite finition à chaque fois là. Les gars, de toute façon, dans ces trucs-là, moi, c'est ça que j'adore. C'est que c'est les colis perdus. Les mecs qui vous le vendent, ils savent pas c'est quoi non plus. Donc, ils vont pas vous mettre que des trucs de merde ou que des trucs bien. Ils savent pas. Vous avez bien vu, les colis sont pas du tout ouverts. Donc, c'est vraiment au hasard. Des fois, t'as des trucs de fou, comme nous, on a pu avoir. Des fois, t'as des trucs nuls. C'est au hasard, en fait. C'est un sac à dos. Sac à dos, sac à dos pour les meufs. Pour moi, y a rien, les gars. Vraiment, ma meuf, ma mère, mes soeurs vont être gâtées. Oh, c'est les Nike Air, mais c'est des fausses. Ah oui, ah oui, oui. Oh putain. Ah oui, oh putain. Oh les gars, là. Bon, ça, ça sera mes chaussures quand je veux faire des. Travailler ou quoi. En vrai, ça peut être pas mal. Parce que les gars, sur Insta, j'aurais bien aimé vous faire gagner des trucs, mais par exemple, ça, quand je sais que c'est faux, je peux pas vous le faire gagner. Parce que je sais même pas si j'ai le droit de faire gagner des faux trucs. Et surtout, bah, même. C'est pas ouf, quoi. Oh, oh, ah, non, t'es fort, mais. LED. C'est incroyable, mon. Oh, enfin, mon truc. C'est pour les jaunes. Ça, c'est bien, ça. Un projecteur, les gars. Ça, c'est stylé. En plus, on en voulait un au 113. On va tester ça, du coup, les gars. C'est bien des ouf. Bon, la qualité, par contre, je pense que les gars, on va pas. J'ai une idée, les gars, ce qu'on peut faire tout de suite. Ah! Coucou! Eh, c'est trop marrant, on va sur la porte et vous voyez là aussi. Ma copine, elle va être gâtée, hein. Oh là 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 là. Comment je l'ai gâtée en vrai? Les gars, tout ça, je l'ai acheté, hein. Bah oui, je savais que c'était pour elle. Mais non, mais c'est pour moi que je veux les cadeaux. Aussi des cadeaux pour les abos, mais là, il n'y a rien pour vous, les gars, pour l'instant, là. Je peux pas vous offrir des colliers parce que vous êtes moins de femmes. À... C'est pour ça, d'ailleurs, si vous êtes des femmes, regardez la vidéo, abonnez-vous. On n'est pas beaucoup. Je crois que vous êtes 30% à être abonné à la chaîne. Vous serez plus, j'aurais fait un concours pour vous. Wow. Oh, ça me donne envie de faire des enfants. Pas du tout, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Mini caméra. La caméra, les gars. Ça, je veux le tester, ça. Et c'est bizarre parce que je vois pas où. Y a pas de pile, y a rien. Donc je me dis pas comment ça va prendre des photos. Là, on peut mettre une micro SD. Là, on peut le charger. Bon, on va mettre une micro SD. Ça marche, je pense, ou pas? Et que je peux même pas récupérer les photos. Je sais même pas s'il marche. Ils m'ont pas mis le câble avec, en fait. Bon, bah, les gars, encore une fois, si j'y arrive, ce sera sur Insta. Bon, les gars, ça, c'est le dernier. Un peu petit, après, on a que des gros. Beau petit maillot de bain, ça. C'est pour vous, ça, je vous fais gagner. Un petit ours.
Oh, en vrai, il est mignon. Oh, c'est agréable. Bon, les gars, ça sera gagné sur mon compte Insta. Les gars, pensez pas, je vous fais gagner que des trucs nuls. Par exemple, les Versace, bah, ça m'a fait plaisir de l'offrir à Pio. Et ensuite, les Jordan, si je suis pas sûr que ça soit vrai le truc, je peux pas vous le faire gagner. Ça, par contre, les gars, je vous le dis, ça va être bizarre. Ça a été emballé dans une boîte de base de de gâteau. Non. Ah, c'est pas la même couleur. Ouais. Ça, les gars, je vous en fais gagner deux sur Insta. Vous pouvez laver vos yeux, vous pouvez laver les boucles d'oreilles, rasoir, sifflet, stylo, tétine, voilà. Donc ça, les gars, je vous le ferai gagner. Il m'a l'air mignon, lui. Oh, le numéro de la personne qui l'a commandé, c'est une fille, donc c'est un truc de fille. Oh, c'est trop mignon. Les gars, on va l'appeler la fille. Ça m'intrigue de savoir, ça fait combien de temps qu'elle a commandé ça. Bon bah, elle s'appelait Alicia. Alicia, désolé, mais c'est stylé en vrai le concept. Les gars, si vous aimez bien le concept, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, on fait une partie 2. Mais cette fois-ci, les gars, on n'achète pas 100 kilos, mais 500 kilos. Et je serai pas tout seul pour les ouvrir. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez voir qui va m'aider à les ouvrir. Bon les gars, on est sur des gros trucs là. Ça, les gars, je commence à m'y connaître maintenant, le colis. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Wesh. Attention, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un portefeuille. Les gars, ça encore une fois, je peux pas vous l'envoyer. Vous allez me faire passer pour un radin. C'est ce que je sais pas si c'est vrai, je peux pas être sûr. C'est une ceinture. L'odeur et tout, j'ai l'impression que c'est fake quand même. J'en sais rien si c'est vrai, les gars. Elle est stylée, elle est belle en vrai. Wouah, celui-là, il a l'air pas mal aussi. Oh, c'est un aspirateur. Oh, c'est pour les chiens. Oh. Bah, mes parents, ils vont être contents. Un pistolet. Les gars, c'est un pistolet, je crois qu'il y a dedans. C'est pour le teaser. Ah, bah, il massage. Je crois. Oh, mais c'est stylé. Il y a un petit assis. Oh, regarde, regarde, là, on va tester. Tiens. Hey, pour dans ma voiture. Ah oui. Ça, c'est stylé. Pour dans ma voiture, c'est pas mal. Il en reste 3. Ça, ça a l'air d'être de la merde. Oh, genre, putain, je sais c'est quoi. Ouais, c'est des trucs de tapis. Bon, bah, ça, écoutez, les gars, encore une fois, j'en sais rien ce que je vais en foutre de ça, putain. Allez, on ouvre celui-là. Putain, on aura pas eu d'iPhone, quoi. Oh, le short, il est si moche. C'est nul, il est trop moche, franchement. Ah, il y a des chaussures là-dedans. Oh, des petites Air Force One. Encore une fois, les gars, je sais pas si c'est du fake ou pas. Par contre, je vous le dis, tout à l'heure, c'était même paqué pour Louis Vuitton. Il y avait du vert, Pio. Ah, je crois qu'elle est connue, cette marque. Pas la Mangel. Bon, il est trop grand, hein. C'est lourd. Vous êtes prêts ou pas? C'est le dernier truc. Allez, c'est parti. Je sens qu'on va tous être déçus. Les gars, au cas où, si c'est de la merde, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires pour me dire que vous aimez bien ce genre de contenu. On en refera. Je suis pas trop fan de faire des concepts un peu simples sur ma chaîne, mais là c'est cool quand même, c'est un peu dans l'extrême. Donc dites-le moi dans les commentaires. On se laisse là-dessus les gars. 3, 2, 1.